Bonjour à toutes et à tous, c'est Overgame. Aujourd'hui, nous allons faire une petite présentation d'un serveur. Donc, nous allons jouer sur ce serveur qui n'a pas vraiment de nom. Mais en tout cas, nous allons jouer donc à un style de jeu qui s'appelle le Project Ares. Voilà, donc c'est parti. Voilà, alors, excusez-moi, j'ai fait un petit temps. Alors, là, il y a tous les serveurs de ce type. Alors, moi, je vais aller en état. Voilà. Apparemment, il y a la map Mayan Apocalypse. Alors, donc, voilà, là, on se met au spawn de la map. Et la map se trouve sûrement là-bas, parce qu'on voit plein de monde. Voilà, donc on est en créatif tant qu'on n'est pas en jeu. Mais là, on va rejoindre le jeu, même s'il est déjà commencé. On va join, et on est bleu. Voilà, on a déjà un stuff de base. Sinon, si on n'en a pas, c'est qu'il y a des coffres pas loin, juste en face de nous, généralement. Et il faut aller chercher son stuff dedans. Bon, là, c'est bien, il nous donne directement. Alors, donc oui, voilà, on va se faire du stuff fer, il reste un peu de fer. Alors généralement il y a des blocs d'or ou des blocs de fer. Sachant donc que c'est un jeu en fait, où vous avez une map, vous allez devoir détruire comment ça s'appelle, le corps. Voilà. Donc en fait, vous avez par exemple des blocs d'obsidienne, et vous allez devoir les casser. La lave va couler, et ce qui fait que donc ça va tomber sur de la redstone qui va, etc. Qui va faire que ça active quelque chose. Et qui va faire que vous avez gagné un point. Donc, on peut tout casser, on peut tout faire. On peut faire avoir n'importe quoi sur ce genre de, sur ce style de jeu. Je sais pas, moi je suis bleu, mais je veux bien. Alors, il y a aussi des deathmatch. Alors, j'espère qu'on en fera un juste après. On verra ce qu'il nous indique. Pour l'instant, c'est un bloc en tout cas. Donc, alors, y a-t-il des rouges à défoncer? Il me défonce, je ne sais pas. Mais, ça, c'est les blocs. Qu'est-ce qu'il propose? Abondance 1, abondance 1. Ah! Voilà, déjà un peu plus intéressant. Hop. Toujours regarder au cas où, parce que des fois il y en a qui proposent des flammes. Non, d'accord, le max c'est que puissance 1. Donc c'est déjà bien. Je vais vite voir, je ne sais pas trop où il faut aller. Ah, d'accord, c'est que c'est en face. Ah oui, ok. Donc on a, voilà, généralement il y a un vide qui nous creuse. Et là c'est le cas. Alors, on va faire un petit peu d'arc. Je vais me positionner pour savoir à quelle hauteur je dois tirer pour leur tirer en plein dedans. Alors, hop, plus haut. Non, je suis pas là. Bon, j'aimerais que ça fasse un petit bruit, un petit coup. Hop. Ah, je suis bon. Hein. Donc, normalement. Voilà, tiens, prends-toi ça. Ah merde, c'était caché. C'est nul, toi. Ah là là, il se déplace. Bon, laisse tomber. Ah, attends, je peux en faire partir un dans le néant. Oula, bon ça, il y en a un qui me gère là. Il est parti où? Ah d'accord. Voilà. Tiens, prends-toi ça. C'est pas en se décalant comme ça que tu vas y arriver. Je crois pouvoir me battre à l'arc, c'est ça? Ouais, il y a un autre qui m'attaque. Eh ouais, hein, eh ouais. Toi, tu m'énerves. Toi, tu m'énerves, franchement. Tiens, prends-toi ça. Prends-toi mes flèches. Oh, il y en a un qui est intéressant là-haut. Oh putain. Je crois que je sais pas s'il a eu de la chance, je sais pas si vous verrez mieux que moi, mais en tout cas, je crois que oui. Oula, c'était pas loin ça. Oula, c'était un peu trop haut. Beaucoup trop haut. Pas du tout là. On va y arriver, hein, elle est toujours cadrée. Système bizarre de la croix. Toujours penché un petit peu. Oula. Je crois que j'ai bug. D'accord. Alors on va éviter. C'est bon. Voilà, excusez-moi. Petite. Encore. Non, c'est bon. Bon, voilà. D'accord. C'est que ça bug un peu là. Voilà, c'est passé. C'est bon. Excusez-moi. Hop. Faudra vraiment que je m'achète un logiciel. Tiens, prends-toi ça, tu m'as visé, mais je t'ai visé aussi. Tu crois quoi? Tiens, prends-toi cette flèche.
Oh, je l'ai tué? Non, apparemment non. De toute façon, j'en tue rarement. Généralement, je leur mets juste le guac. Alors. Parce qu'ils ont le temps de se cacher juste avant. Oh, c'est pas vrai! Bah, sinon, parce que... Tiens, il y en a un. À tuer là. Crois que tu vas t'en sortir. C'est bon, apparemment il est mort. Je sais pas pourquoi je courais pas très vite. Hop, je vais manger. Voilà, je vais regarder ce qu'il y a dans ce joli coffre. D'accord, parfait. C'est bien, bravo, quelle construction magnifique. Hop, lui, il y en a un derrière. Ah non, je deviens fou aussi, là aussi. Là aussi, je crois que je deviens fou. Où est-ce que je peux en intercaler quelques-unes? J'ai envie de... Tiens, il y en a un qui fait la ronde, là. Tiens, non, non, mais tu crois quoi, toi? Mange-toi ça. Mange-toi ces flèches, putain de merde. Mais merde, mais... Il ne peut pas passer. Ah merde, là, il y en a un qui l'a. Tiens, mon choix se duplé. Ah non, c'est un bleu. Pardon. J'ai tellement envie d'aller en haut, là. Tiens, prends-toi ça. Sale protecteur. C'est pas bien de protéger son territoire. Puis en plus, c'est un oubli, il se cache. Il se cache. Saloperie. Voilà, donc je vous donnerai l'IP dans la description, bien sûr. Je l'ai pas tué, mais bon. Voilà. Vraiment juste pour me leur mettre le guac, hein. Je m'en fous de les tuer. Je sais pas pourquoi en plus. Ça vaut. Ça sert à rien, tu vois. Voilà, ils l'ont fait. Donc oui. Donc, je vous mettrai l'IP dans la description. Sinon. Prochaine présentation de jeu et pour toutes les présentations de jeu. Excusez-moi pour le son de la dernière présentation de jeu. J'avais pas fait attention parce que justement je voulais faire la présentation de ce serveur avec quelqu'un d'autre. Malheureusement, ça avait beaucoup blagué, je pouvais pas. Voilà, mon action ne résiste pas. Et mon Java, je crois, non plus. Donc il faudra que je change tout ça et je paierai à ce qu'il soit bien pour vous offrir des bons trucs. Oula, je ferais mieux de décamper. Merci. Voilà, c'était très gentil de ta part de prendre mes coups. Par contre ça, c'est con, lui, tiens, prends-toi ça. C'est nul. Là, attendez. Là, juste en repousser un, hein, parce que là, il va se prendre. Il est pas. Merde, bon, bah, il est pas passé là. Ok. Prends-toi mes flèches. Prends-toi mes flèches. Tiens. Si j'en touche un. Non. J'aurais un peu rêvé, je crois. Ah, j'aurais bien voulu le toucher, lui. Oh! Si vous entendez, mais il s'est pris ma flèche. Alors, sinon, ça en est où ici? Alors, on va faire un petit peu d'épée. C'est pas très intéressant. Alors, moi, j'adore l'arc. Mais pour vous, c'était pas si cool. Hop. Alors, attendez. Puisqu'on avance tous ensemble. Oh, tiens. Je sais pas comment j'ai fait pour le toucher. Tiens, toi là-bas. Ça ne l'attend pas. C'est un bleu.
Oula, mauvais, mauvais ça. C'est mauvais. Bon, je vais aller avec eux. Anarchiste! Eh oui, il faut bien se faire tuer, sinon c'est pas marrant. Est-ce qu'il y a encore du fer? Il y a encore du fer, mais je pense que la prochaine fois, il n'y en aura plus. Donc, il va falloir faire gaffe. Faire gaffe. Oui, enfin bon, il n'y a rien de marrant. Alors. Ah, si, il y a d'autres fers là-bas. Hop là. Alors, sinon. Annonce importante. Pour la survie avec les copains. Donc, on la reprendra peut-être que moi et Rasta. Malheureusement, Titi ne peut vraiment plus jouer. C'est dommage. Ça aurait été vraiment cool de continuer avec lui. Ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas vu qu'elle est venue nous faire une petite visite. Donc, clin d'œil pour Titi du 50-120. Voilà, je sais pas s'il a un nouveau pseudo, je m'en fous. Mais je sais que non. Donc, enfin, je sais pas, je m'en fous. Voilà. Pas de toi. Hein. Alors, je vais voir ce qu'ils font là-bas. Ah bah, c'est toujours le temps. Hein? Ah bah non, bon bah tiens, cadeau. Sinon, ah oui. T'as pas un petit arbre gentil pour moi? Non? C'est méchant. Alors on va aller là où j'en ai trouvé. Il faut pas tous les perdre parce que ce serait pas cool de pas en avoir. Donc, voilà. Hop. Hop, je récupère le pantalon que j'ai vu là. Jamais. Perdre du stuff, ce serait trop cool. Déjà qu'il nous manque un peu de fer, on n'en aura pas jusqu'à la fin de la partie. Donc j'espère que je pourrai vous montrer d'autres choses que cette partie. Toi, je vais te donner mon bois, tiens, si tu veux. Sinon, je sais pas, la moitié des pastèques. Ici, il y en a que. Généralement, on est largement calé au niveau bouffe. Pas besoin de bouffe. On va mettre quelques petites. Quelques petites flèches dans le cul de des petits rouges. Oh le salaud! Excusez-moi. Non. Chier. Bon. La réserve de fer s'accrue. Non, je vais en prendre un troisième au cas où. Hop. Malheureusement, hop, j'avance par là-bas et je vais faire mes stuff là-bas. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur le panneau? More iron straight then into mine. Ah! Il y a une mine. Ah bah oui! Ah bah tranquille! Ok, tranquille, tranquille. Ah oui, tranquille, largement. Très bien. Bon, bah c'est bon. Hein. Moi je vais me faire mes stuff. Alors désolé, mais c'est séance craftage aussi pour ceux qui ne le savent pas. Ah bon. Au pire, tenez, cadeau. Moi, je me sers mes stuff. Voilà. Thanks for stuff. I want. Non, excusez-moi. I want stuff. Toujours leur dire merci quand même parce qu'ils sont chiés à le faire et on ne les remercie pas à la fin des maps. Pourtant, ils nous auront quand même aidés. Même si on perd. Sinon, ce serait pris encore une plus grosse laminée, ça aurait été horrible. Alors, oula. Oula, c'est moche, là. Aïe, 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 aïe. Déjà, on va faire un truc. Hop. Juste sécuriser un peu. Généralement, quand on a un toit, ça fait qu'en fait, on se prendra pas certaines flèches qui viendront de haut. Donc, ça peut être pratique. Voilà. Hop. Séance construction également, si vous ne savez pas comment faire un tunnel, voilà la forme. Alors, sinon, à part la séance flèche de gueule, on fait rien, donc, hop, voilà, parce que c'est la gravité, parce qu'on se fait pas chier.
Parce qu'on fait notre petite vie. Parce que tu vas te boucher ton cul. Oula! Il va me tabasser. Tu crois quoi, toi? Tu vas te la prendre, ma flèche. Il sait même pas viser, en plus. Oula, contre ça, c'était mauvais. Hop. Là, si je prends une flèche... Oh! J'en ai touché un, j'ai visé au pif. Hein. Pour info. Pure info. Là, faut tirer. Pour protéger son acolyte. Il est con, il veut se laisser prendre. Tiens, prends-toi ça. Parce que c'était gratuit. Oui. Oui. Je raconterai pas la suite. Alors. Oh! Oh! Chante. Je vais prendre quand même des blocs de fer pour les alimenter là-bas. Hop, voilà, il y en a là. Ah, il y en a quand même. Heureusement qu'il y en a de la mine, hein, parce qu'il n'y en a pas assez pour ça. Tiens, je vais tout prendre et je le ramène comme ça, ils font du stuff eux-mêmes, parce que c'est des larbins. Voilà. Alors. Sinon, je fais un rappel à l'inscription pour un petit tournoi Trackmania. Ah, ben, on est quelle équipe? On est les bleus. Bah bon, on a gagné. Juste regarder ce qu'ils avaient. Ouais, de toute façon, ça valait pas le coup. Il fallait faire un stuff. Voilà, on a gagné. Je vous montre la map d'en haut. C'est moche. C'est moche. Voilà la map après usage. Tout simplement. Et il faut aller tout là-bas pour aller sûrement casser quelque chose. Je sais pas quoi. Il devait y être là justement. Voilà, tu vois. Il y a la lave là-bas. Donc, c'est reparti. Donc, une nouvelle map. Ah, je crois que c'est la... Ah, c'est la map que j'aime bien. Parfait. C'est très bien. En plus, je suis rouge. Et donc. Hop. Alors, ouais. Donc, cette map, c'est un pêche match. Donc, c'est parfait. Voilà, on voit le score. Hein. Vous le voyez ici. Là, voilà, vous voyez Red Team et Blue Team et vous verrez le nombre de kills de chaque équipe. Donc, c'est parti. Alors, les jeux font-ils, là. Alors, donc, le but, là, déjà, c'est d'aller chercher. Je crois que c'est là. Non, là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Mais où est où sont les super arcs? Où sont les super arcs? Ah, je crois savoir. Voilà. Alors, il casse, mais ça sert strictement à rien de casser parce qu'en fait, vous avez largement assez de bouffe. Donc, ça sert strictement à rien. Mais où sont les super arcs? Ça va m'énerver. Hop, tiens. Ah, merde. Ah, voilà. Je crois qu'ils sont là-bas. Hop. Faut se dépêcher parce qu'il n'y en a pas tant que ça, c'est pour ça, c'est ça le problème. Est-ce qu'ils sont là? Please move you. We built the castle. Ah non, d'accord. Ah oui, c'est vrai, il faut rebaptiser. Il faut réparer le castle. Alors, voilà, j'ai récupéré mes notes des pommes là. Oui, c'est bon. Hop, alors je rebuild de tout de suite en prenant une grosse tarte. Voilà. Voilà, donc là on va faire une petite muraille pour protéger et qu'ils ne puissent surtout pas aller plus loin. Ce qui fera en fait que ceux de l'extérieur ne pourront pas rentrer. Sauf en posant des cubes, bien sûr, parce que eux aussi ils ont le droit. Hein. C'est parfaitement normal. Pousse-toi! Là, vas-y. Oui, rappel, les gens sont chiants sur ce serveur. Ils sont gentils, ils font des stuff et tout, ils sont pas, ils piquent pas tout pour eux, mais franchement, sinon, c'est des circés. Aïe! Aïe, il m'a fait mal lui! Ah bon, ça, ils vont me tuer.
Hop, je me casse. Ah, il va me tuer, ce salaud. Please help me. C'est vrai, bon. Il m'a laissé de côté. Il me tue plus tard, il est gentil. Par contre, il est où? Parce que je veux bien quand même faire la peau. Mais non, c'est pas grave. On fera la peau de quelqu'un d'autre plus tard. Par exemple, on peut faire la peau tout de suite de quelqu'un. Clark. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, bah, il va le tuer parce que. Oula, il y a plein de blocs attaques là. Moi, je vais me faire un archer. Parce que c'est comme ça. Oh putain, mais c'est qu'ils font mal. Donc on se fait laminer. Donc moi je vais partir au front, même si je me fais tuer, il faut tuer quelqu'un quand même. Ce serait pas mal parce que bon, sinon ça sert à rien. Au moins toujours avancer son kill. L'avancer un peu à l'arc, je sais pas. Ça prend toi ça déjà une première. Oh putain, mais c'est qu'il y a un bon tireur là, ou un cheater. Oui, il y a beaucoup de cheaters aussi. Alors, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas venir, parce que c'est vraiment un bon serveur quand même. Dans l'ensemble, bien sûr, malheureusement, ça existe partout, les cheaters, mais ici, vous pouvez dénoncer grâce à une petite commande, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais en tout cas, il y a une commande, ça c'est sûr. Oh, bon sang, ils sont bons. Enfin, ils sont bons, non. Ah oui, c'est dur de savoir, on peut pas savoir si c'est un cheater ou pas, alors... C'est assez dur. Parce qu'en fait, ils peuvent tirer vraiment n'importe où. Moi, comme vous voyez, je shoot pas. Et c'est pour ça que je tire mal à l'arc. D'ailleurs, faire un petit event archer un jour. Sur les MC de Gary. C'est qui se met là? Ah, je crois qu'il y a un gars. Alors, sinon, ici, c'est comment? Ah, on va pas y arriver. Allez, c'est parti. Ah, si, j'en ai touché un. Allez. Au pif, hein. C'est toujours au pif que ça marche. Au front, c'est parti. Miaou. Ah ouais, celui-là il a Nodus. Hop. Ou il a Nodus, ou il arrive tellement vite. Ah bon sang, le salaud. Il arrive tellement vite à dégainer que c'est une vraie bête. Mais non, non, il a Nodus. Dégainer aussi vite et pouvoir le tendre aussi vite, on a pour le faire. Donc c'est pas possible. La dernière fois, je me souviens, j'avais fait une séance minage dans cette map. Au final, on aura passé la map que sous terre et on n'aura rien fait de plus. Donc au final, ça aura servi strictement à rien. Mais c'était marrant. C'était marrant quand même. Ouais, lui, il a Nodus, ça va, le petit con. Tu crois que c'est pas parce que t'as Nodus que je peux pas te mettre une tarte? Tiens, tu l'as goûté celle-là? Tiens, voilà, tiens, t'as vu ça? C'est lui qui t'a tué. Ah, il est bon, le gars. Ah, lui là-bas, il n'a pas d'indice par contre, parce qu'il tend pendant longtemps. Et puis d'ailleurs, il essaye de trouver un angle de tir pour pas qu'il se fasse toucher. Sauf que, il se rend pas compte qu'il a un gars qui va le tirer devant. Il y en a qui font des trucs d'hamster en bas, je vois. Alors malheureusement il y a encore du Team Griffin ici. Ah, j'en ai touché un de moi. On peut rien faire contre ça. C'est un gros fléau. Qu'est-ce que t'as toi? C'est pas toi Canodus là? Hein? Ah, parce qu'il y en a un qui arrive aussi à tirer par-dessus les murs. Enfin bon, c'est what the fuck.
Oh! Oh bon sang! Oh, j'ai eu de la chance qu'il y en ait un qui ait fait sa galerie d'hamster, parce que sinon, je me serais fait vite tuer. J'ai envie de tomber dans le néant, mais je suis encore capable de tomber dans le néant. Ça n'empêche en rien. Hop! Alors, là, faut courir et faut surtout pas se faire choper. Donc, un petit sneak et on attend qu'il avance. Je répare. Hop. Toujours une petite protection. Il vaut mieux se faire tuer dans un coin que tomber dans le néant sans en tuer aucun. Hop, voilà. Surtout que là, on est en train de perdre, malheureusement. Donc, à la fin de ce Team Deathmatch, ce sera donc la fin, malheureusement, de notre vidéo. Et la prochaine fois, j'ai déjà trouvé le serveur auquel donc je ferai une petite présentation. En sachant que ce Team Deathmatch dure encore 6 minutes 30. Ça fait long, ça fait long, ça fait long. Je ne sais pas à quelle heure, je n'ai pas mis de timer. Je me suis quand même engouré. Si vous acceptez en me renfermant comme un con, que je regarde. Oui. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une petite ellipse et puis je reviendrai à 2 minutes. Ok? Allez, bye. À tout de suite. Re les amis, donc je suis toute tristonnée, je pose des torches partout, partout je pose des torches, je peux pas en bouger. Bon, c'est pas grave, donc après avoir fait le tunnel, après s'être fait laminer à la sortie du tunnel, après s'être fait laminer à côté des remparts, après avoir fabriqué une petite construction là-haut sur le truc, en 2 minutes j'ai réussi à faire plein de choses et j'ai malheureusement fait toujours aucun kill. Et on se fait toujours la nuit. Donc, c'est pas grave, on va continuer. Alors, on a 1 minute pour faire one kill. Non, c'est moi, c'est à moi. Non, dommage. Donc là, on va faire comme le foufou. De toute façon, on sait qu'on a perdu. Donc, s'il met une laminée, je peux peut-être me faire ce kill. Malheureusement, je ne me suis pas fait. Oh là, il gère. Il gère trop, ils sont deux. Je vais pas me faire ce kill. Je m'en fous, on commence une deuxième partie. On a 30 secondes pour faire one kill. C'est parti. Et il y a ah, je me loupe dans les sauts. Ceci est un fail. Oui, car j'avais prévu des overfails d'ailleurs dans ma banderole faite par The Killer. Donc merci toujours à l'intro de The Killer. Et c'est foutu. Bon, d'accord, bon, c'est pas grave, ils ont gagné. Alors, donc toujours, oui, merci à l'intro de The Killer, que vous avez vu, et à notre petit outro aussi. Donc voilà la map après défonçage total. Et donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc allez voir ce serveur, allez y jouer, on va peut-être se retrouver dessus. Et sinon, je vous dis à la prochaine. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Ça fait toujours aussi plaisir, surtout que j'aimerais bien arriver à 100 abonnés avant l'été. Merci à toutes et à tous et ciao, ciao.